table à Bibis, ça m'était finalement indirectement destiné. J'ai collecté tous les 30 petites fiches, je les ai dépouillées un petit peu, voilà, pour essayer de répondre à un certain nombre de questions que vous posez. Et du reste, ça rebondit un peu sur un certain nombre de propos de l'après-midi. Alors la première chose, voilà, je vais traiter dans cet ordre-là. Je vais parler un petit peu d'environnement parce que ça a suscité une certaine inquiétude, donc je vais réagir sur ce point-là. Je vais réagir sur un deuxième point qui revient, j'ai été obligé de regrouper vos items, j'ai pas fait un listing, là sinon on ne sortirait pas, sur un peu cette notion de complexité et action, comment agir dans un régime de complexité. Et la troisième chose peut-être, voilà, sur le rôle du dirigeant. J'ai envie de dire que vous n'êtes peut-être pas plus impossible, que vous n'êtes pas Dieu. Donc je vais essayer de tenir un discours quand même plutôt confiant globalement. Bon. Mais n'est pas du tout euphorisant. Alors, sur la première chose, sur l'environnement. L'environnement, si vous voulez, le discours écologique est un discours, bon, qui a sa raison d'être en tant que cri d'alarme. Bon. Mais, ce que nous disons, nous, en complexité, alors là, je pourrais passer de très longues heures avec vous là-dessus, pour avoir quand même pas mal bossé, il n'y a aucune théorie globalisante du monde qui ait résisté. Voilà, à l'échelle du temps. Ce que je suis en train de raconter, c'est qu'il n'y a pas de vérité générale sur le monde. Bon, j'ai une agrégation de géographie, une thèse de géographie, avant d'avoir passé une seconde thèse en complexité, donc c'est des questions auxquelles je suis sensible, donc je pourrais en parler beaucoup. Non, on n'est pas certain d'un catastrophisme. On n'est pas certain du tout. Il y a une multitude de modèles. Il y a eu une quinzaine d'années, quand je donnais des cours en université, justement sur la complexité du système vivant, on disait à l'époque qu'il n'y a aucun ordinateur qui soit à l'heure actuelle capable d'intégrer toutes les boucles de rétroaction de l'écosystème. Donc, on ne peut pas dire qu'on est certain. Mais ce n'est pas parce qu'on ne peut pas dire qu'on est certain qu'on n'a pas le droit de dire « nous avons peur que ». Et ça, c'est ce qu'on appelle en complexité du bruit. Le bruit, c'est voilà, une perturbation, du désordre, c'est quelque chose au fond qui va faire réfléchir. Voilà, ça ne veut pas dire qu'on va suivre ce qui se dit. Non, non, non. Quelqu'un a le droit de dire « attention, moi j'ai peur ». Et la réponse que vous pouvez faire à ce moment-là, pas comme celle que j'ai fait un jour à ma fille qui avait peur en voiture avec moi, elle me dit « bon, j'ai peur en voiture ». Et moi j'ai répondu « tu sais, Valérie, tu n'as pas besoin d'avoir peur, ton père conduit bien, j'ai jamais eu d'accident, etc. » Ça n'a absolument pas rassuré. Non. En revanche, le bruit, ce qu'on dit en complexité, c'est qu'il sert à construire une organisation. Parce que j'aurais pu me servir de sa peur pour lui dire « Valérie, t'as peur de quoi ? Comment est-ce que je pourrais te rassurer, voilà, en voiture ?» Et quand je lui ai posé cette question, il m'a répondu « c'est facile, t'as qu'à pas coller les camions. » J'étais un peu vexé parce que je ne trouvais pas que je collais les camions. Donc j'ai essayé de lui prouver que je ne collais pas les camions et on ne s'est pas entendu. Bon, finalement, le plus simple, c'est de dire « attends, c'est quoi pour toi coller un camion ?» Ah, c'est ça. Bah, écoute, j'ai roulé comme ça. De toute façon, comment on fait pas de course ensemble? Voilà. Ce que je veux dire par là, c'est que la question de l'assemblage des réalités, c'est de dire à quelqu'un, ben voilà, dites-nous ce qui vous fait peur, etc. C'est un discours d'instruction. Vous voyez, on dit toute organisation est une désorganisation rattrapée. Et au fond, ce que je me dis, le mérite du bruit, ben voilà, quand on signale que quelque chose ne va pas, quand on signale qu'il y a des problèmes de retraite, oui, ça peut être intéressant parce qu'on peut se poser la question du travail. Est-ce qu'on est obligé de partir en retraite tous au même âge? La question des 35 heures, ça aurait pu être l'occasion de dire au fond, est-ce qu'on a tous besoin de travailler la même chose, etc. C'est-à-dire que ça peut être positif, voilà, comme un vaccin, si on fait réagir l'organisme, voilà, pour créer une organisation et renforcer un système immunitaire. Donc pris dans ce sens-là, oui. Mais si vous voulez, en tant que certitude, je ne peux pas adhérer à ça. Je vais vous donner une anecdote. Hein. J'ai commencé par les Grecs. Je vous donnerai une anecdote sur les Grecs. Trois siècles avant Jésus-Christ, les Grecs ont la certitude que la Terre est ronde. Ils peuvent mesurer la circonférence. Ils ont placé le cercle polaire arctique, antarctique. Ils ont placé les tropiques. Ils ont placé l'équateur. Ils ont tout juste. Superbe déduction mathématique avec simplement le gnomon. C'est le nom que l'on donne à la flèche du cadran solaire. Vous plantez un morceau de bois de 1 mètre au 21 septembre et au 21 octobre dans votre jardin, vous mesurez la longueur de l'ombre et vous avez la cotangente de votre latitude. Bon, enfin, peu importe, vous avez votre latitude. Donc les Grecs sont assez géniaux, voilà, pour 3 siècles avant Jésus-Christ, par pure déduction mathématique, apporter une extraordinaire vérité. Et ces mêmes Grecs, continuant leur raisonnement mathématique, se disent: mais au fond, le cercle, c'est une forme parfaite, parce que tous les points étant à égalité du centre,
Le cerf peut tenir de lui-même, comme un ballon gonflé, n'a pas besoin de structure. Et il s'invente la démocratie. En se disant, si vous mettez les citoyens à égale distance d'un centre, c'est l'image de la démocratie, vous n'avez plus besoin de prince pour porter la société. Géniaux, ces Grecs. Oui, sauf que ces gens géniaux sortent deux imbécilités monumentales en même temps. Ils postulent que seul l'hémisphère nord est habité, voilà, et qu'il n'y a que dans l'hémisphère nord qu'il y a des montagnes. Enfin, ça, c'était leur lubie. Et ils postulent aussi que cette belle démocratie qu'ils viennent d'inventer, en fait, elle n'est réservée qu'aux hommes libres, mais que les esclaves ne sont pas des hommes, sans qu'ils puissent apporter la moindre preuve scientifique que l'esclave n'est pas un homme. Mais est-ce que ce que je suis en train de dire par là, hein, c'est que Feuerabend, un épistémologue, dans un livre qui s'appelait « Adieu la raison », dit « Méfions-nous des consensus, ça n'a jamais signifié autre chose qu'un immense conformisme ». Donc, voilà. Donc, et ce que j'entendais là, parmi les gens qui sont intervenus ici, c'est que tous, finalement, inscrivent leur expérience, finalement, dans un régime de bruit. C'est parce qu'il y a crise de la pêche qu'on a pensé à l'aquaculture. Et c'est parce que l'aquaculture, aujourd'hui, elle est critiquée d'un point de vue écologique, qu'on fait des deals avec des cuisiniers, etc. Je veux dire que tout le monde, pris individuellement, finalement, est une organisation qui a rattrapé, à un moment donné, un certain désordre. L'île artificielle, ça produit du désordre, d'une surcharge du littoral, etc., etc. Hein, je peux peut-être demain le bateau ressuscitera du fait, justement, qu'il y a trop de camions sur les routes. Donc, si vous voulez, il n'y a pas opposition, là encore. Il y a nourriture, quand on dit qu'un système se nourrit de bruit. Alors, ça, c'était la première chose que je voulais dire. Je pense que, oui, les écologistes, il y a le droit à un discours sonnette d'alarme. Mais voilà, maintenant, c'est le début de l'instruction. Parce que, ayant un peu lu sur ces choses-là, vous voyez, je veux dire, après, le grand danger, c'est de tomber sur les boucs émissaires. Hein. Oui, la voiture pollue, ça, je le sais. Hein. Mais j'ai dit aussi, hein, on a beaucoup parlé d'Erika et de ses 30 000 tonnes dans l'océan, je ne suis pas pour les marées noires. Hein, ça. Oui, mais ce n'était pas grand-chose à côté des 33 millions de tonnes, voilà, brûlées par les voitures dans l'atmosphère chaque année. Et on a parlé plus des 30 000 tonnes que des 33 millions. Et vous voyez, dans le domaine de l'environnement, aujourd'hui on va s'en prendre à la voiture un certain nombre de choses, je vous dirais qu'un yaourt est sans doute le bien de consommation le plus polluant, car je ne sais plus, je n'oserais pas vous dire le chiffre, je crois que dans un yaourt, il y a des centaines de kilomètres. Voilà, parce que les différents composants, etc. Donc, voilà, c'est le début d'une instruction. Mais l'instruction dans le bon sens du terme, au sens instruire un problème. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que vous vous êtes demandé un peu, mais dans un monde complexe, comment est-ce que l'on peut agir? Enfin, est-ce qu'on doit attendre d'avoir réglé une complexité, voilà, pour pouvoir faire quelque chose? Non, c'est pas comme ça que l'on voit dans les systèmes complexes. Dans les systèmes complexes, puisqu'on ne cherche pas à voir vrai, en revanche, ce que l'on cherche, c'est à essayer d'être cohérent avec son discours. Moi, il me semble que je peux faire ça. Voilà. Monsieur a une logique, il va la défendre. Voilà, Stéphanie nous expose sa logique, elle va la défendre. On n'est pas là pour dire si elle a vrai ou faux, on est là pour essayer de dire si, au fond, avec ce qui est dit là, on peut avancer. Et la conception de l'action en complexité, c'est ça. Voilà, si on est calé sur son discours, qu'on sent qu'on est à peu près parfait, à ses propres yeux, et bien allons-y. Parce que c'est seule l'action qui va donner un feedback qui permettra de voir si au fond on agit. Donc on n'est pas condamné à l'immobilisme. Hein, c'est ce que je vous disais un peu ce matin, c'est la marche au pas à pas. Les Chinois ont une très belle expression pour ça, hein, ils disent « il est important de ne pas faire de fautes ». Vous voyez, pendant 4-5 ans, j'ai sillonné le Sahara, il m'est arrivé des grosses véhicules, je me suis perdu, puis j'étais en panne de voiture, perdu dans le désert, voilà, juste à attendre qu'un improbable camion passe. J'ai passé 6 semaines sous une voiture, l'été à attendre. Bon, c'était pas une situation tout à fait confortable, mais je me rappelle avec le copain que ce qui nous avait été d'un grand réconfort, c'était de se dire, au fond, on n'a pas fait de faute. C'est-à-dire qu'on était là, à notre place. En ce sens qu'on voulait être là, bon, oui, personne n'est Dieu. Donc à partir du moment où on a fait un choix, on pensait raisonnable, puisque nous ne sommes pas Dieu, on ne peut pas garantir, eh bien, voilà une réussite totale. Ça, oui, je suis d'accord avec ce qui a été dit ce matin, c'est l'humilité. Et vous voyez, j'ai été frappé parce qu'il y a aussi quelque chose qui vous interpellait. Hein, Jean-Luc Vandenet a dit à un moment donné, je n'ai pas peur, hein, il a parlé de dirigeants qui insufflent la confiance et autres, et j'ai bien vu, il y a des gens qui disent, mais comment avoir toujours le moral, comment ne pas avoir peur et autres.
Dans ce domaine-là, alors je vais parler d'une cliente, bon, je vais parler d'un individu ordinaire. Je vais vous raconter une anecdote. J'avais un ami comme ça qui a passé le Cap Horn il y a 30 ans sur un bolier de 12 mètres. Voilà, il voulait faire comme moi Tessier. C'était un restaurateur genevois, voilà, qui tout d'un coup, à 50 ans, il a voulu faire de la mer, il s'est lancé. Il a franchi son Cap Horn en solitaire, il a fait un grand tour du monde comme ça, sans escale. Ça s'est bien passé. Et cet homme qui avait vendu ses restaurants était obligé, une fois par an, de rentrer en Suisse pour un peu son business. Et là, il en était malade parce qu'il devait prendre l'avion. 2 mois avant, il en était malade. Et les gens disaient, mais c'est hallucinant, tu as passé le Cap Horn en solitaire sur un bateau de 12 mètres, donc tu es un homme courageux, comment se fait-il que tu puisses être peureux en avion, alors qu'on peut te prouver par A plus B que l'avion est un moyen sûr. Oui, mais n'empêche que vous avez beau lui prouver mathématiquement que c'est sûr, que la méthode est bonne, oui, il ne la sent pas, et quand on lui disait, mais enfin, comment t'expliques que tu puisses avoir peur là et pas peur ici, il disait, oui, mais s'il m'arrive quelque chose sur mon bateau, je sais ce que j'y faisais. Tandis que si jamais je tombe en avion, je me dirais, ouvrez les guillemets, quel con, tu savais bien que tu n'avais rien à foutre dans cet avion, pourquoi tu y es allé. Et là, n'empêche que ça, c'est ce que j'appelle être calé sur sa clairière. Et nous avons tous des clairières qui nous rendent complètement évident ce que l'on fait. Ça nous paraît évident que si on fait ça, ça va être juste. Et bien j'allais dire, en complexité, on part de ça. Tout le corps humain part de cette justesse. Et c'est le cerveau qui se débrouille pour ajuster. Et là, j'en arrive un petit peu à l'épissure. Je vois que ça vous a... Je vois que ce concept vous a un peu marqué. Et j'allais dire, c'est un peu votre rôle, peut-être de dirigeant. Alors, c'est à la fois un projet ambitieux, mais je pense qu'il devrait être déculpabilisant pour vous. Je ne pense pas que ce soit un dirigeant, forcément, de donner le sens pour son entreprise. Parce que si un dirigeant voulait donner trop de sens à lui tout seul dans son entreprise, on pourrait lui reprocher d'être au fond un peu totalitaire. C'est-à-dire que, voilà, on peut faire du lavage de cerveau de ces gens. Puis après tout, de ne pas respecter leur liberté. Puis ça va être très tracassant pour lui de dire que comment je vais leur donner du sens. Non, c'est pas forcément facile pour un dirigeant de faire ça. Oui, c'est possible pour un dirigeant qui est en position de capitaine. Un capitaine qui dit à ses hommes, à l'assaut d'un château fort, allons-y, enfin qui les encourage, oui, il peut les booster. Mais je suis désolé, un général en chef qui est à 50 km du front n'est pas un planqué de l'arrière. Il faut bien que le général soit à l'arrière pour pouvoir aussi écouter la cantinière qui va lui dire on fait quoi à manger à midi pour les combattants. S'il est en train de grimper sur le château fort, vous comprendrez aisément qu'il ne pourra pas répondre à la question. Donc en fait, le dirigeant, c'est normal, je crois, qu'il soit en retrait pour être dans cette position d'écoute. Voilà. Et c'est une mission. Vous voyez, quand je vous disais, les Chinois disaient, le dirigeant doit être moyeu de la roue. C'est pas celui qui sait tout. Il doit se mettre dans le vide parce que seul celui qui est dans l'ignorance peut poser des questions que celui qui sait ne se posera pas. Et si le dirigeant est hors opérationnel, qu'il est un peu en dehors des choses, il va pouvoir écouter, peut-être qu'il va pouvoir agencer, et peut-être qu'il va pouvoir parler pour rendre intelligible les discours, c'est-à-dire dire, écoutez, voilà, si on a fait comme ça, c'est parce que Pierre, parce que Paul, parce que les circonstances, parce que la loi, parce que la norme, c'est notre vérité. La vérité, c'est ce qui, dans un certain instant, va marcher et va convenir à tout le monde, en sachant que ce sera toujours provisoire. Vous voyez, votre corps fonctionne comme ça. Il y a un mécanisme qu'on appelle dans le corps humain la dissociation autonome. Vos cellules sont organisées de telle sorte que quand vous êtes bébé, tout ce que vous mangez, ça fait du poids. Et il faut que ce soit comme ça, sinon vous allez mourir. Mais il arrive un moment donné, vous comprenez bien que si ça continuait comme ça, on serait tous éléphantesques, on ne serait même pas là à parler, on faisait des tonnes. Bon. Donc il y a une dissociation autonome, c'est-à-dire on défait cette épissure-là, et on répisse les choses autrement pour que dorénavant, chaque fois que je bois un verre de vin, voilà, je ne prends pas un gramme. Et puis à un moment donné, il va y avoir une dissociation autonome, j'aurais beau faire tout ce que vous voulez, boire du vin, pas en boire, faire du sport, pas en sport, je vais dépérir. Et voilà, parce que c'est une bonne chose pour l'écosystème, il faut bien que je laisse la place à quelqu'un d'autre, voilà, pour me remplacer. Mais vous voyez, dans ce rôle d'épisseur, les Chinois avaient prévu que le souverain va avoir deux personnages pour l'aider, un goûteur, c'est-à-dire quelqu'un qui l'aide à se représenter le monde, qui l'aide à se représenter la diversité qu'il avait autour de lui.
Et ça, je me suis souvent dit en entreprise que c'était peut-être le personnage qui vous manquait, c'est peut-être pour ça que des fois vous faites venir des consultants. Moi, plutôt qu'un consultant, j'appellerais plutôt un Marco Polo, c'est-à-dire un Vénitien, quelqu'un qui va venir vous voir chinois, voilà, avec des yeux de Vénitien, et qui va s'étonner. Mais pourquoi vous faites les choses comme ça? Et Bachelard disait, la seule véritable marque de l'esprit scientifique, c'est de savoir se poser une question. Vous connaissez ce genre d'anecdotes. Vous avez 17 chameaux à partager. À votre mort, c'est votre testament. Et vous dites, vous voulez faire un testament déséquilibré. Vous dites, je vais faire une grosse part pour mon fils chéri, je divise en deux. Je vais faire une part moyenne, bon, pour un neveu, je vais diviser en trois. Et pour un lointain petit cousin, je vais diviser en neuf. Vous n'avez pas de chance parce que, voilà, 17 ne se divise pas par 2, ne se divise pas par 3, ne se divise pas par 9. Vous êtes coincé. C'est une situation de blocage. Le climat va changer, on est coincé. Et moi, j'ai bien aimé l'expression d'Olivier, c'est vraiment un peu de bordel, quoi. Et le bordel, c'est celui qui, tout d'un coup, va complètement sortir du cercle, voilà, puis va vous dire, et si vous empruntiez un chameau? Et vous allez lui dire, enfin, c'est complètement fou, je ne peux pas emprunter un chameau pour le donner en héritage, je ne peux pas le donner en héritage, mais d'être. Il vous dit, si, faites-moi confiance, vous empruntez un chameau, ça fait 18. 18 divisé par 2, ça fait 9. Par 3, ça fait 6. Par 9, ça fait 2. 9 et 6, 15. Et 2, 17. Vous rendez le chameau que vous avez emprunté. Ce que je voulais dire par là, ce regard de l'étranger, voilà, ce regard de l'étranger, peut-être vous l'avez chez vous. J'ai souvent été frappé de voir comment dans les réunions d'entreprise, les codis, quand c'était le commercial qui parlait du marché, ce fait-ci, tel autre a son petit appareil, là, que vous avez pour les emplois du temps, là, t'es là, toc, qui tapote ses trucs, qui n'écoute rien du tout, puis après, quand c'est à lui de parler, hop, il y va, puis l'autre, il prend son petit truc, puis il y va. Mais alors que finalement, vous voyez, excusez-moi, parce qu'il y a des DRH, c'est un exemple complètement fantaisiste. C'est tellement vrai, l'image peut-être, mais je dis. C'est que parce que vous, vous ne savez pas, voilà, vous pouvez poser une question à une autre. C'est dans cet étonnement. Voyez, et ça, je pense que si je devais conclure sur une chose, c'est que vous voyez finalement pourquoi les marins, ça nous donne à réfléchir, pourquoi au fond ce que dit Nicolas Vanier, que soit avec chacun le ressentira comme il voudra, et ça, pourquoi au fond, à travers l'expérience, vous voyez par exemple, l'expérience de l'œuf, si je devais tirer une leçon de chacun, je disais, tiens, le bordel, oui, il n'y a pas de méthode pour inventer, il faut vous laisser un peu de bordel, puis après on va voir. Moi, ce que j'ai trouvé intéressant dans l'histoire de l'œuf, vous voyez, la vérité que j'en tirerais, c'est que j'ai une certaine réticence vis-à-vis de la prospective. Parce que la prospective, ceux qui nous annoncent ce que sera demain, ne font jamais qu'extrapoler le présent. Ce que je veux dire, et je n'ai jamais vu, il y a des choses qui sont très drôles là-dessus, les gens qui font des prévisions sur le niveau du CAC 40 en fin d'année n'ont jamais réussi une seule fois. Pourtant, ce sont des gens très savants en économie, en finance et autres, et il y a de l'enjeu financier derrière. Bon. Vous voyez, dans l'exemple qui était dit, ce que j'ai bien aimé, c'est que quand monsieur sera allé au bout des œufs, on l'imagine où? Bon, on va se dire dans l'alimentaire, non, pas du tout dans les maisons de retraite. Ça s'appelle une rupture. Le futur n'est pas prévisible. Parce que la logique, elle a des rebondissements comme ça. Donc c'est pour ça que, vous voyez, c'est cette forme de... Le message que je voulais dire, c'est qu'au fond, chacun ici témoigne à sa manière d'une possibilité de nouveauté. Voilà. Et que donc finalement le bruit, ça ne doit pas être forcément ce qui nous inquiète, mais ça suppose voilà, que les gens soient calés sur eux, qu'ils soient dans leur carrière. Donc voilà ce que je voulais dire, j'espère que vous êtes dans la vôtre. Voilà, je vous remercie.